Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Et cette fois-ci, il s'agit de Alone in the Dark sur 360. Alors je sais que voilà, le let's play de Silent Hill 2 avait plutôt bien marché, j'ai eu d'assez bons retours. Et bah, j'avais en fait envie, donc moi de mon côté, de me faire ce jeu, Alone in the Dark, enfin de me refaire le jeu. Parce que en fait j'avais commencé il y a quelques temps déjà, je l'avais laissé de côté. J'avais pas fait grand chose hein. Je m'étais arrêté à quelques heures de jeu. Donc voilà, d'un côté j'ai envie de me faire ce jeu, et d'un autre côté j'avais envie de faire un nouveau let's play d'un survival horror. Et voilà pourquoi pas, ben, Alone in the Dark. Voilà, c'est cette question que je me suis posée, effectivement, oui, pourquoi pas Alone in the Dark. Donc on va le faire nous en let's play, donc en redécouvrant. Couverte pour le début, ben, j'ai plus aucun souvenir hein, en fait du début du jeu, je sais même plus de quoi ça parle, donc voilà, j'ai carrément effacé ce jeu de ma mémoire, c'est ahurissant. Et donc en découverte hein, pour le début et la fin du jeu, voilà, parce que j'ai pas fait grand chose hein, en fin de compte. Donc on va faire une nouvelle partie. Je sais que le jeu est découpé en plusieurs épisodes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer, donc je vais filmer un épisode d'un coup. Et si l'épisode est trop long, je couperai en plusieurs vidéos, bien évidemment. On va faire une nouvelle partie. De l'autre côté, si vous continuez une nouvelle partie, vos dés de jeu actuels seront écrasés. Voulez-vous continuer? Oui, on va continuer. On va voir une petite scène d'introduction, il me semble. Enfin, comme d'habitude, quoi. Donc, on va se retrouver juste après celle-ci. On fait quoi maintenant? On suit le plan. Point. Mais c'est pas supposé. Oh, du calme. Tu sais à quoi on a affaire? Ça fait partie des choses qui arrivent dans ce genre de boulot. Tu te fous de moi? Ces fissures, elles sont sorties de son corps comme si elles étaient vivantes. Reprends-toi, Ahmet. La voie de lumière est enfin à notre portée. Rien ne doit gâcher ça. Rien. Contente-toi de t'en tenir au plan. Et celui-là, t'es sûr qu'il a son compte? On va le savoir. Regarde-moi. Là, il fout moins les jetons, hein. Putain, il bave comme un bébé, c'est devenu un légume. Grâce à Paddington, c'est plus qu'un type comme les autres. Il nous causera pas d'ennui. J'espère bien. Edward, qui t'a permis de l'ouvrir? Jusqu'à maintenant, j'ai été sympa avec toi. Mais là, si tu commences à la ramener, tu vas savoir ce qu'est la souffrance. Monsieur Scoff, laissez-le. Quand notre cher ami là-bas sera mort, Paddington sera la seule personne à pouvoir manipuler la pierre. Vous ne voudriez quand même pas compromettre toute l'opération, n'est-ce pas? Non, monsieur. C'est ce que je pensais. Monsieur Ahmet, vous escortez Paddington avec moi. Monsieur Scoff, emmenez cette bloque sur le toit et liquidez-le. C'est comme si c'était fait. Vite! Bon bah ça commence plutôt bien, on se fait braquer par un mec. Notre perso a l'air plutôt mal en point pardon, excusez-moi. Donc il faut cligner des yeux. Bon, ça je m'en souvenais de cette première partie. Voilà, en train de se faire braquer par un mec, on sait pas du tout ce qu'on fait de là, j'en souviens plus en fait. Oula, c'est quoi ça déjà? Ah oui, les fissures. Alors non, les fissures, c'est pas moi, non. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de m'ouvrir. Ouh, je crois qu'il est mort. Il y a beaucoup de sang quand même hein, pour un seul corps. Hein. Il a repeint tout le mur. Ouais, c'est original.
Alors, il a toujours la vue. Il a toujours du mal à regarder notre personnage. Hein. Je sais plus tout ce que c'est que ces fissures. Regardez, on dirait un zombie avec son ombre là. C'est plutôt bien fait, l'ombre d'ailleurs. C'est sympa. Ah, petite scène ici. Eh, n'empêche, le coup du reflet, c'était magnifique, hein, parce que avant qu'il donne le coup de poing, il avait disparu du miroir. C'était vraiment magnifique. Par contre, je trouve qu'il est bien fait, le personnage. Hein. Alors, je crois que c'est Carnby, hein, comme dans Dune Nightmare et comme dans les premiers Alone in the Dark. Je sais plus, mais je crois que c'est par Carnby dans ce jeu. Donc, on peut passer en mode voilà, vue subjective, ce qui est beaucoup plus maniable. Hein. Là-dedans. C'est pas trop tôt. Et s'il refuse de nous montrer la voie, s'il essaie de nous baiser. Il n'a pas le choix. Il fera exactement ce qu'on voudra. Tu entends, Paddington? Il y a des manières de torturer un homme qui vont bien au-delà de la simple mutilation. Nous avons eu beaucoup de mal à vous réunir, toi et cette pierre, Théo. Tu es le seul à savoir comment maîtriser son pouvoir. La diriger, la guider. Tu seras le porteur de lumière. Si tu refuses, tes souffrances deviendront légendaires. Vous êtes fous. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est peine perdue. Ah oui, on verra ça. Vous entendez? C'était quoi? C'était quoi ce putain de bruit? Quoi, quel bruit? C'est encore ces fissures. Elle... Oh putain, elle revient! Elle revient! Mon Dieu! Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien Edward Carnby. Hein. Donc il y a ce vieux monsieur qui vient de tomber là de cet ascenseur. Et il y a une fissure apparemment qui attaque tout le monde. Quelqu'un là. On entend le bout d'une femme. Ouais, un bruit. Une femme dans un ascenseur. Bon, c'est ce qu'elle me dit. Hein, juste en train de répéter ce que la personne est en train de raconter. Donc, une petite descente en rappel. Ça, c'est dingue, comme je me souviens plus du tout de. Plus du tout de ce jeu. Hein. Donc, on peut sauter. Il y a un mec en train de prendre cher là-bas. Après ce que je vois. Ouh là là, le courant, ça va peut-être pas le faire là. Ah oui, attendez. Ah ben non. Ah mais première mort, ok d'accord, autant pour moi. Je pensais juste pousser le truc là sur le gauche, sur la gauche, pardon, excusez-moi. Mais non, pas du tout. Je reviens de là, d'accord, autant pour moi. Oui, il va y avoir des fails dans ce let's play, je vous le promets. Ça faut que je le... Voilà, tout simplement. Elle est juste le caler là sur la gauche. Ah, je peux plus descendre. Faut que j'aille peut-être sur la droite. Ou là, il y a encore une fissure là, tiens. Heureusement que je suis pas resté ici en fait, parce que là j'aurais dû exploser là. Bon, soit. Bon, ça commence plutôt bien sous le souvent. Ce let's play, pardon.
Il y a tout qui fout le camp. En train de se faire attaquer par une saloperie. Ben là aussi, tiens, ça explose. Mais par où je passe, moi? Si ça explose de partout, par où? Je vais peut-être par là, non? Ouais. Par ici. S'il vous plaît, monsieur, il faut nous aider. Il est blessé et il ne peut pas sortir. Vous avez vu les murs? Ils sont vivants. Comme dans un cauchemar. Ils s'ouvrent et ils nous avalent. Je les ai vus, c'est vrai! Ok, d'accord, donc on peut pas. On peut pas passer sur la gauche. Vous pouvez prendre le mobilier et le déplacer. D'accord. Ah, peut-être ça. Donc on peut déplacer la table. Je crois que le mec là dont on doit se sauver se trouve. Il doit se trouver là, je crois. C'est moi ou c'est... Ouais, d'accord, ça vient de tomber, d'accord. Donc c'est super scripté, apparemment. Hein. C'est sympa. Pour vaporiser, oui, on peut vaporiser. Avec la touche R. Alors par contre, c'est vrai que l'effet du feu, ça j'en souviens par contre, est plutôt bien rendu. Je trouve. En tout cas. C'est plutôt bien rendu. J'essaie d'éteindre le feu parce que là... J'arrive pas à avancer, donc j'ai pas le choix. Voilà, ça devrait être bon logiquement. Vous m'avez fait une de ces peurs. Vous avez enfin daigné vous pointer. Je suis blessé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Anna! Je vais voir ce que je peux faire. Ça sert à rien. Il faut trouver un autre moyen de l'ouvrir. Ah oui, il y avait de l'instincteur, c'est vrai. Bon, on sent quand même toute la puissance de l'instincteur. Hein. On a l'impression qu'il est en train de... Enfin, donc on sait que dalle, quoi. C'est terrifiant comme c'est mal fait. Faites vite. Je viens de voir une autre fissure courir sur le mur. Ok, d'accord, mais par contre, on repart où? Ah oui, on repart peut-être par là, non? Vu qu'on peut éteindre le feu, j'imagine que la suite... ça doit être là. Non, c'est vrai que là, regardez, là, l'effet du feu, là, les trucs qui sont en train de tomber, je trouve ça plutôt... plutôt bien foutu. Oula. Ça a encore fait boum. Est-ce qu'on peut passer par... Non, on va pas passer par là, tiens. Parce que je sens que je vais tomber par là. Donc on va continuer là dans ce couloir, j'imagine que ça doit être là. Je sais pas du tout si... Ouais, eux deux nous suivent, tant mieux. Je crois qu'ils vont pas nous suivre bien longtemps ceux-là, je crois qu'ils vont mourir. Enfin, comme tous les persos inutiles dans les survival, c'est toujours comme ça malheureusement. Vous ne pouvez pas sauter si vous transportez un objet lourd. Ah, il faut que je saute de l'autre côté, d'accord, autant pour moi. Je vais essayer de prendre un peu d'élan alors. Faire un demi-tour rapide, d'accord. Ok, bon ben le vieux monsieur c'est terminé pour lui. Là il y a un autre vieux monsieur avec un flingue, tiens. Ouvrez votre veste pour voir les objets récupérés. Ah oui, c'est vrai que là, l'inventaire se fait dans la veste de notre personnage. Donc on a un flingue avec 8 munitions. L'inventaire, je le trouve bien foutu, par contre. Je trouve ça classe. On peut l'équiper, j'imagine. On doit l'équiper, d'ailleurs. R pour tirer. Mais je vais tirer sur quoi, moi? J'ai pas besoin de tirer, non? On peut pas continuer par là. Mais je... Ah oui, il y a un truc là pour l'eau, j'imagine, en haut là. Attendez. Parce que là, il me dit tirer sur quelque chose. Sur quoi je tire? Non, pas sur ça, non? Ça, ça pourrait être mon con. On va pas tirer sur le mec quand même, non? Sur quoi est-ce que je peux tirer là? Attendez, c'est quand même dit parce que je suis déjà bloqué. J'ai fait 2 mètres.
Et je sais pas sur quoi tirer. Attendez, je suis en train de réfléchir là. Il n'y a pas un truc là pour l'eau, je. Non, mais une connerie du genre. Ce qui m'a pas montré en fait sur quoi je. Sur quoi je devais tirer. J'ai que 8 munitions, donc ça va peut-être pas le faire. En plus, ah, c'est peut-être tirer sur là sur le verrou. On va voir. Ah bah oui, mais c'était ça en fait, d'accord. Autant pour moi. Comme quoi, il y a des fois on cherche compliqué, en fait non, c'est très simple. Lorsque vous êtes blessé, vous avez besoin d'objets appropriés pour vous soigner. Jure. Franchement, là, ça c'était évident. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tout prendre dans ce jeu-là, les chaises, les tables, enfin on peut se battre avec tout et n'importe quoi. Et les ennemis craignent le feu. Ça, je viens de m'en souvenir. Parce que là, vous avez vu la fissure, le feu, ça lui a pas fait grand bien non plus, hein. Ah, attendez là, est-ce que je peux fouiller ça? Alors oui, on a de quoi nous soigner, ça c'est sympa. Passez en mode soin avec la touche droite. Utilisez le spray d'infectant pour soigner les blessures sans saignement. On a un petit truc là de blessure localisée, je trouve ça plutôt cool. Bah tiens, la fissure nous a libéré le passage. J'aime bien quand les ennemis nous libèrent le passage. C'est fort. Oh, un petit ordinateur. Est-ce que je peux y aller? Non. C'est même pas un. Non, c'est une télé en fait avec un lecteur VHS. Ok, d'accord, je vais partir de là. Je vais m'enfuir. Parce que j'ai l'impression qu'il faut pas rester là en fait. Et lui, il a appris ça, c'est des pans. Oula, franchement, ça. Attendez, ça explose de partout là, je comprends que dalle. Ah, il n'y a pas à dire, la mise en scène est vraiment pas mal, hein. Donc, pour sauter avec le câble, voilà, on va devoir longer ici. Alors non, je n'ai rien, mais c'est gentil de me demander. Je pense que lui, il va bientôt patater crever. Voilà, il vient de tomber, il est en bas, là, il est en train de tomber. Et là, il vient de s'écraser, c'est sympa. Bon, ben. Tant pis pour lui, hein. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de plateformes. Bon, par contre, les bagnoles qui remontent comme ça, c'est pas cool. J'ai l'impression que je suis mort là, non? Ah, je suis mort, oui, bien sûr, je suis mort. Je suis décédé, d'accord, autant pour moi. J'ai rien demandé, hein. J'ai absolument rien demandé. Mais j'ai décédé, voilà, c'est triste. Donc oui, il va y avoir pas mal de fails. Attendez, il ressemblait pas à ça d'ailleurs, lui, non? C'est moi que j'ai des problèmes de vue, je crois. Parce qu'il ressemblait pas à ça, ce mec. Je sais pas, honnêtement, là, je n'ai aucune idée. Bon, je vais faire attention à l'explosion, parce que là, j'ai pris une bagnole. C'est peu commun de se prendre une bagnole quand on est au 14e étage, quand même. C'est très rare. Sauf dans ce jeu. Pour grimper, c'est X, d'accord. Heureusement qu'on a un petit axial, parce que là, je pense que les touches. On serait peut-être pas souvenu, hein. Je crois que ça va encore tomber tout ça. Ouais, ça tombe. Et la mise en scène est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien le début en fait. C'est.
Bon, ça explose de partout, c'est sympa. Je pense que je vais me prendre le truc là dans la... Non, d'accord. Je me suis pris une bagnole dans la gueule, je suis mort. Et là, je comprends pas pourquoi je ne meurs pas quand je me prends des trucs comme ça. C'est vraiment bizarre. Pour sauter, pour libérer le... Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je viens de le voir, que le câble n'était pas... Il était bloqué. Bon, vraiment, c'est uniquement de la plateforme, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que je fais là? Peut-être grimper là, non? Pour le moment, c'est que de l'action, vous avez vu, c'est que de la plateforme. Ça explose de partout, c'est génial. Il y a un instincteur en bas. Assemblée. Ça, je crois que je m'en souviens. C'est parti d'un truc que je... Enfin, je me pose de m'en souvenir, ce que je... là, je viens de comprendre, c'est que là, ça va monter. Je suis obligé d'avoir l'instincteur pour éteindre le feu en haut. Et je sens que l'on va devoir utiliser la corde pour faire remonter le truc, dans l'instincteur. C'est... D'accord, bon, c'est pas bien compliqué. Par contre, la plateforme... putain, faut prendre l'habitude, hein, parce que c'est pas... Waouh, c'est... C'est spécial, hein. C'est vraiment spécial. J'aimais comme le truc balance l'instincteur, là, sur le côté droit, c'est vraiment mal foutu. C'est vrai qu'il faut prendre l'habitude, hein. De la maniabilité. Heureusement qu'on a l'outil d'accessoire au début, parce que là je pense que sinon je... Non, je vais pas supporter là. On va avancer tout doucement. Je vais essayer le moins possible d'utiliser le mode première personne, parce que ça me gonfle un peu en fait d'avancer comme ça. Bon là j'ai pas le choix, parce que je vais devoir éteindre le feu, mais... Si je peux avancer au maximum en mode troisième personne, ça pourrait être vraiment... Vraiment sympa. On va éteindre le feu. J'éteins le feu, mais je sais même pas s'il faut passer par là en fait. C'est le problème. Je crois que si. Est-ce qu'il faut passer par là? Oui. Ah oui, il faut que je grimpe là, en haut. Parce que je viens de là, en fait. C'est quoi bon con ce que je fais. Je dois grimper. Bon, là, par contre, voilà. Là, je vais jeter l'instincteur. Et là, je vais sauter ici. Sans l'instincteur, dont j'en ai manifestement pas besoin. Parce que je pense pas que l'on puisse le... le ramener ici. Bon, j'adore faire des sauts à l'aveugle comme ça. J'ai aucune visibilité. Mais c'est pas grave. Il a encore un câble électrique. Il a pas peur, Carnby. Hein. Il a vraiment pas peur de... De grimper au sommet d'un building. C'est pas la meuf que j'ai sauvée tout à l'heure? Oula, c'est pas bien ça. Et elle me suit, en même temps elle avait pas le choix. Ah, elle avait pas le choix, elle devait longer le mur. Par contre elle a du courage. Hein. J'espère qu'on va pouvoir remonter, parce que le câble qu'est en train de lâcher, au fur et à mesure je le sens. Je le sens pas trop là. Ah, c'est quoi ça? Bon, c'est un téléphone, on peut pas le prendre. C'est dommage parce que moi j'aime bien tout fouiller, j'aime bien tout visiter. Là on est vraiment pressé par le temps, c'est pas fun. On est obligé de défoncer la porte. J'ai pas envie de prendre mon flingue. Je suis obligé de prendre le flingue, j'ai l'impression, non? Même pas, il n'y a pas un instincteur là pour exploser la porte. D'accord, je vais me grimper sur la table, tout à fait. Tout à fait normal. Utilisez le BMD pour parcourir les objets de votre inventaire. Bah oui, parce que j'ai plusieurs objets. Bon. On va prendre le flingue, hein, j'ai pas le choix. On va faire sauter la porte. Comment on range le flingue par contre? Je peux pas ranger le flingue. Ah si, 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 je peux ranger le flingue appuyant sur RP, d'accord. Sortez-moi de là, je vous en supplie.
Ok, d'accord. Donc elle est restée en haut. La caméra, par contre. Ah, je comprends pourquoi. D'accord, bon, bah adieu alors. Adieu, jeune femme. La table peut-être pour grimper là. Ça me semble tellement évident. C'est pas bien dur, hein, ce début du jeu. Hein. C'est. Ça va, je. Putain, par contre, la caméra. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Je suis obligé de jouer en mode première personne parce que là. J'arrive pas à me. J'arrive pas à me digérer. À me diriger, pardon, excusez-moi. À me digérer, ça n'a aucun rapport. C'est. Même là, je sais même pas où il faut aller là. Peut-être sauter de l'autre côté, je sais pas. Oula! Ouh là là, je suis sonné. C'est pas bien. T'es sur le côté droit plutôt, non? Putain, mais c'est pas possible qu'il est con celui-là. Je viens de grimper dans le. Je viens de sauter dans le feu en fait. C'est pour ça. Allez, 15e tentative. Voilà. Là c'est bien. Là ça fonctionne. Là ça marche. Mais la plateforme, c'est vrai que c'est vraiment. C'est vraiment random quoi. J'ai vraiment du mal à prendre l'ascendant là sur le gameplay. Oh, c'est une chambre d'enfant. Ça c'est mal, ça. Je trouve ça vraiment malsain de mettre des trucs là, hein, par rapport aux enfants. C'est... Je suis désolé, j'aime pas trop ça. Savoir là qu'il y a un gosse qui a pu se faire buter ici, c'est. Ah, j'aime vraiment pas ça. C'est. Ouais, on va descendre, j'ai pas le choix. Hey, est-ce que ça va? Je suis où là? Ah, je suis là, d'accord, autant pour moi. Alors, pour m'éclairer, j'imagine que j'ai besoin du feu. Manipuler l'objet que vous tenez. Est-ce qu'on peut manipuler le. Les objets, on peut les cramer. Vous avez vu qu'on avait un petit truc là, un petit indice qui nous indiquait que effectivement on pouvait cramer la chaise. Je sais que au fur et à mesure du temps, la chaise finit par cramer totalement et il va devoir la laisser tomber. Donc on va essayer de se dépêcher. Toujours des limes là avec la lumière, c'est plutôt bien foutu. Et merde, je me suis mangé là. Je vais devoir recommencer. C'est vrai que c'est vraiment mal foutu quoi. Hein, la plateforme dans ce jeu. Hein. On va réessayer bien évidemment, mais ah ça va, il y a encore une autre chaise. Je crois que là les objets doivent être en quantité limitée hein, parce que sinon ça serait vraiment pas cool. Donc on va recramer ça parce que je n'ai pas une excellente mémoire et donc bah, je me souviens plus du tout du chemin. Je pense que si vous trouvez en speedrun, vous trouvez sans doute quelqu'un qui a dû faire ce passage-là en... là sans la lumière. Alors, on va essayer de ne pas se cramer là dans le feu parce que le feu ça fait quand même assez mal. Allez, on va essayer le saut là. On va se mettre droit. Ouf, c'était chaud. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est l'une de mes hôtes maintenant, comme tu l'étais autrefois. Toi, mon pantin le plus parfait. Ouh, d'accord, il ne save directement. Je crois que c'est la fin de l'épisode. Ouais, c'est la fin du premier épisode quand on a les crédits en fond. Parce qu'en fait, voilà, le jeu est découpé comme une sorte de série télévisée. Le premier épisode est terminé sur cette discussion. Vous avez vu quand même l'expression de Carnby quand il découvre cette femme qui
qui, je pense, en a dans le pantalon quand même, parce que pour avoir une voix comme ça, soit elle a pris un coup de froid ou... Non, mais cette femme est possédée, c'est comme ça, parce qu'elle est morte devant nous tout à l'heure. Et elle brise les coups. Vous avez vu, ça c'est comme ça, voilà. Donc voilà pour ce premier épisode de ce Alone in the Dark. Bon, il n'est pas super intéressant, vous avez vu, c'est que la plateforme. Les prochains, je pense qu'ils seront quand même un peu plus intéressants que ça. En revanche, chacun m'a noté que la mise en scène du jeu est vraiment excellente. Enfin, c'est mon avis en tout cas, mais j'adore la mise en scène. J'adore les musiques, tout ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc on va se quitter là nous sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, partager la vidéo si vous avez aimé, et si c'est le cas je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play d'Alone in the Dark. Allez, ciao.